surtout surtout bino balandi ya dire signaux télévision tozana esengwa kokutana na bino lisusu mukolo malelo poto beta masolo ya République démocratique du Congo na lobaka na bino à chaque fois surtout na bino bilenge bato bozali kolandanga na nzela ya dire signaux télévision que tozali na mboka semoko oyo tozali kobenga République démocratique du Congo pe mboka na biso ezali posa na ba ebilenge oyo bafongwami et déjà na intelligence na manière na bango ya korefu teske bakoki ekozwa ba décision ya malamu pwete mboka na biso etambola na lolenge elongo bani. Aujourd'hui nous sommes en train de parler de plusieurs sujets en République démocratique du Congo, les histoires de Nicolas Kazadi, Alingete, l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Bien sûr, toyebi bisika oyo to uti, toyebi d'où nous sommes venus, là où nous sommes et d'où nous sommes en train de partir. Mais la jeunesse doit prendre conscience pour que le lendemain puisse être meilleur. Parce que na lire ya makambo tozali kokendele nango, soki toali kotale la baï politique, tozali kotale la ba vieillard. Je vous dis que lobby tokoza la paix kaka na misu na biso pona kolela. Voilà pourquoi musala na zalaka nango chaque jour ezali ya kobenda baï mboka surtout bilenge ya kofongola misu ya koprendre conscience ya oyeba ete mboko yo sambiso ekokende nulle part. Mboko yo sambiso ezali désert. Mboko yo sambiso réussite ya tamoko ekozalate. Voilà pourquoi mukolo malelo toye poto lobela la chute de Kanyabaonga, la réplique des forces armées de la République démocratique du Congo, le départ de Nicolas Kazadi, mille vestes, toutes les entreprises qui ont détourné l'argent en République démocratique du Congo, basali likopanabango contre celui que nous appelons Gilles Alingete. Quel est le vrai problème? Aujourd'hui, Moussa Nyamoussi parle d'un leadership éclairé, d'un leadership engagé pour que la République démocratique du Congo puisse décoller. S'est-il attaqué réellement au président de la République? S'est-il réellement attaqué aux institutions de la République? Et si nous étions dans d'autres cieux, est-ce que M. Jean-Lucien Moussa pouvait continuer à travailler comme ministre du portefeuille au sein du gouvernement de l'Union Sacrée? Mesdames et messieurs, voilà Oyonaye Libino Mukolo Malelo, Ngaina Bino, Tobeta Masolo, Mayemata les politiques ensemble. Je vous ai dit, Makambo Ezali ya Oyinda. Les choses sont en train de changer. La situation politique est en train de changer. La situation sécuritaire est en train de changer. Les Nations Unies, au jour d'aujourd'hui, renouvellent encore le régime des sanctions contre la République démocratique du Congo. Et ce qui était à la base, il y a régime, il y a sanctions. Ça veut dire que l'embargo militaire, l'embargo des armes, le transport des armes envers la République démocratique du Congo, ces régimes de sanctions continuent. L'ONU vient de renouveler encore de ces sanctions. Pendant que la République démocratique du Congo aujourd'hui est agressée par ses voisins, il y a le rapport des Nations Unies. Au réseau là qui s'est noir sur blanc, la présence de militaires rwandais sur le sol congolais. Il y a le rapport des Nations Unies qui montre aujourd'hui, noir sur blanc, la présence des militaires ougandais sur le sol congolais. Malgré toutes ces preuves, il y a agression, il y a Banyarwanda, il y a agression, il y a Ougandais, il y a agression, il y a Kenya. Nations Unies, avec comme à la tête la France, bazongi si régime, il y a sanctions sur la République démocratique du Congo. Le test que j'ai eu à lire, dont j'ai pris connaissance, mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, nous devons rentrer dans la rue. Nous devons rentrer dans la rue pour mener des manifestations contre toutes les ambassades Yabambo Kaina, en commençant par la France, en commençant par les États-Unis, en commençant par la Grande-Bretagne, en commençant par tous ces pays de Sud-Est, le Canada, le Japon, parce que ce sont les 7 pays de G7. Bangonde ba pesé na oyo tozali kobenga
qu'on renouvelle les sanctions contre le régime de Kinshasa. Pendant ce temps, à l'est de la République démocratique du Congo, on a vu le militaire ougandais traverser les frontières. On a vu la force spéciale rwandaise traverser les frontières, venir appuyer les IPDF, venir appuyer les ADF, venir appuyer les M23. Na oyo bango bazali ko sala chaque jour, il y a ko terroriser la population congolaise. Na oyo bango bazali ko sala chaque jour, il y a ko mettre à mal la République démocratique du Congo. Le naboyebi, la chute de Kanyabaonga, il y a eu la traîtrise parmi les gens. Oyo bateki Kanyabaonga figure Jean Nani Moussa Nyamouchi, qui a bénéficié de tous les avantages au sein du gouvernement, qui a bénéficié de tout ce que le Congo pouvait lui offrir. Namini Tchonali Kosolola Nabino, Moussa Nyamouchi, ensemble avec d'autres généraux. Oyo, bape saki confiance, y a commené les opérations sur l'axe nord. Y a commené les opérations na côté à Kanyabaonga, côté à Wendi, côté à Kirumba, bangonde bateki Kanyabaonga, bangonde bateki Kirumba, ce type qui a aujourd'hui tous les moyens nécessaires que le gouvernement lui a donné. Parce que vous devez savoir, Moussa Nyamouchi a été ministre au sein du gouvernement. Une fois qu'il n'a pas été reconduit dans le gouvernement Oyeouti Kobima, il y a quand il y a union sacrée dans le deuxième mandat chef de l'État, Moussa Nyamouchi retrouve alors ses couleurs de temps perdu. Il n'avait fait que semblant. Il y a quoi qu'on compte en acte du gouvernement, mais il y a d'autres sortes. Yende Moutou Azalati chargé, il y a coopération avec les groupes armés. Tomoni na musala wo ya sali groupe armé atamo ko atikala ko déposer mandukité, mais lelo il est confirmé que Moussa Nyamouchi il est parmi les gens oyo bateki Kanyabaonga. On parle de la situation de Kanyabaonga. Même si l'armée est en train de se réorganiser, même si l'armée est en train de mettre en place de différentes stratégies pour détourner, contourner les stratégies, les stratagèmes, Olobanya Rwanda va tirer en place. Mais vous devez retenir qu'une fois que cette traîtrise va continuer du côté de la République démocratique du Congo, la guerre ne prendra jamais fin. Mais il faut plutôt prendre ce que nous appelons les décisions qui s'imposent. Les Français disent, au grand mot, on donne le grand remède. Ngaba maladi ya binene ba pesa kakisipe oyo kosunga ke maladi wana esila. Maladi twali na ngona appareil sécuritaire na biso, ezali maladi moko ya mukete. Eza maladi oyo ezali kosenga eke bazwa ba décision qui s'impose. Les décisions qui vont faire en sorte que makambo yo batu bazali kosala bazongela kayango lisusu te. Et bien, quand moi, je suis là, lorsque l'application, il y a peine de mort et que ça la mise en application. Pourquoi? Parce que Jean-Lucien Moussa Nyamouchi, on parle aujourd'hui de plusieurs généraux, 20 au total. Et une autre chose, nous sommes les seuls pays au monde qui compte plus de généraux. Na yebite na monde mobimba, même les États-Unis, même la Russie, les grandes puissances au monde, tozala kanaba généraux et belé koné kaba généraux et bazali na République démocratique du Congo. Et lorsque vous entrez dans les détails, ya oyeba ke ba généraux wana, ba koma ba généraux na armée na bison dengeni, vous allez vous rendre compte, mesdames et messieurs, que ba généraux wana ba tikala kosala cursus militaire te, ba tikala kosala académie militaire te, ba tuana bazala ka ba rebelle, ba yaka appuyé par le Rwandais, soit ils étaient des caporaux na niveau ya armée ougandaise ou soit na niveau ya armée rwandaise. Tant que Baïa va saler agression, ils ont mené cette agression, cette guerre barbare qu'ils nous ont imposée. Et comme le plan des Occidentaux, comme le plan de tous ces pays-là, ils allaient à que ce qui va mener aux autres alliés comme une agression, à la fin qu'il y ait ce que nous appelons le dialogue, la table ronde, comme ils sont en train de le rechercher encore aujourd'hui. Et lorsqu'il y aura dialogue, il y aura ce que nous appelons le brassage et le mixage. Bah, kozo ba kaporo wana,
oyo bauti na armée rwandaise o bauti na armée ougandaise baye basali bango ba général awa na République démocratique du Congo ou réaliser que les gens qui sont venus de d'autres armées qui n'avaient pas ba grade wana ba pesi bango na armée congolaise qui étaient juste des caporaux mais na armée congolaise ba komi ba généraux. Plus encore, bato yo basali ke ba nommé bango ba généraux, ce sont des présidents de pays voisins. Soit c'est Paul Kagame, soit c'est Yoweri Kaguta Museveni, soit c'est Joseph Kabila, soit c'est John Numbi. Voilà pourquoi vous voyez tous les jours John Numbi, Corneille Nanga, bazolo ba ke bazana batu na bango ti na kati ya présidence de la République. Bazana batu na bango ti na ba au sommet ya ba institution na biso. Ça veut dire au jour d'aujourd'hui mesdames et messieurs que le lot mboka na biso pour répondre à cette situation ya sécurité, il faut prendre de vraies décisions. Les vraies décisions doivent être prises afin que nous puissions élaguer la traîtrise au niveau de l'armée. J'ai été la première personne à être content de ce que la peine de mort est ainsi instaurée, restaurée. Mais lorsque nous regardons la manière dont les choses sont en train de prendre l'allure ou prennent les choses, on doit se poser véritablement la question, est-ce que la peine de mort est réellement rétablie en République démocratique du Congo? Plusieurs traîtres. Aujourd'hui, on parle de Moussa Nyamoussi, qui aurait vendu Kanyabaonga en complicité avec d'autres généraux qui dirigeaient Kanyabaonga. Et lorsque vous regardez qui était na direction ya ba opération au niveau à Kanyabaonga, ce sont les mêmes généraux, ce sont les mêmes majors, ce sont les mêmes colonels qui étaient venus de l'autre côté lorsqu'il y a eu brassage et mixage. Le chef de l'État aujourd'hui, qui a tellement donner de la voix, qui a haussé le ton pour voir à ce que aujourd'hui vous puissiez voir Chico Tshitambwe lui-même au front en train de se battre avec ses militaires, ses troupes au front. Heureusement que Mela Oyona Betaki, la dernière fois que j'étais ici, et Yokami Nakata Mokonzia Ekolo, le chef de l'État s'est tonné, le chef de l'État a frappé la main sur la table pour dire que tous les moyens gouvernement congolais a tindaki de l'autre côté pour que l'armée ne puisse manquer de rien, pour que l'armée ne puisse rien manquer. Toi, lui, comme on a le lot, faire de ça comme il faut qu'il débite ou manaba moto, tomoni, n'ambaloyo, ba piquep, yaba mila et tombi na loubeo. Na minute yo, l'armée commence à prendre conscience. Alors que na minute yoana, qui avait donné l'ordre pour que ba piquep et zarate na niveau ya Kanyabaonga? Qui avait donné l'ordre à ce que le Sukhoi et Matate à l'époque, alors que le M23 avançait, qui avait donné l'ordre pour que maintenant, si autre Zali Kobenga drone, et ça les Mamukoloyo, le M23 avançait vers Kanyabaonga. Qui avait donné l'ordre pour que les nouvelles unités, il y a Baléopard, au Bazalaki du côté de Kananga et du côté de Kisangani, au Bazalaki des aéroports Yagoma, Bazala déployé sur terrain pour combattre l'ennemi. Voilà pourquoi cette complicité, la stratégie, le plan qui a été donné par Moussa Nyamoussi et ses autres complices au niveau de l'armée, aujourd'hui nous parlons de leur arrestation. Voilà pourquoi la situation restera toujours tendue lorsque suivi à Malonga et Kozalate. On parle aujourd'hui d'une fausse information qui circule dans les réseaux sociaux, faisant état de 100 blindés Oyo armé na biso et sombi, mais ekiti na Uganda, pour basa la rassemblage. C'est une fausse information, mesdames et messieurs. Tout ceci, on est en train de chercher comment est-ce qu'il faut créer quelque chose qui doit mettre la mésentente entre Tshisekedi, le gouvernement congolais et la population congolaise. Je vous avais annoncé ici l'arrivée Outakala des 4 Mersil. Ce sont des blindés de marketing qui étaient déjà arrivés en République démocratique du Congo.
tout ce qu'on est en train de raconter, ce n'est que du bobard. Ce n'est que des venins qu'on est en train de cracher afin de faire remonter la population congolaise. La population doit rester calme. La population doit être derrière son président. La population doit se battre pour que chaque centimètre carré de notre pays ne puisse pas être pris na maboko ya banguna ya mboka na biso. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, lorsqu'il y aura élection, il faut savoir qui vote. Lorsqu'il y aura élection, il faut savoir qui vote. J'ai bien aimé et je suis devenu fan. Il y a ministre Tozali Kobenga Jean-Lucien Moussa. Lorsque j'ai entendu le discours de Jean-Lucien Moussa, lorsque j'ai eu le temps de parcourir la défense, le travail pour la défense, il y a doctorat à Jean-Lucien Moussa. Sur le management, sur le leadership éclairé, sur le leadership que le Congo doit avoir, sur le leadership, la manière dont les politiciens doivent se comporter. Ce qui bat mieux, ce qui bat 8 ans, il y a Kotanga, œuvre scientifique, il y a Jean-Lucien Moussa. Je vous assure que le Congo changera dans 3 ans. Parce que le problème du Congo, c'est le leadership. C'est le problème du leadership. Le leadership, ce n'est pas seulement au sommet. Le chef peut avoir les idées. Le chef peut avoir des innovations. Mais ce qui est aussi qui t'en a assez, bateau va libaza censé, il y a quoi accompagner le chef de l'État. S'ils n'ont pas la même vision avec le chef de l'État, s'ils ne mettent pas le leadership qui est au sommet, pour qu'ils aient la relayer, pour que le Congo puisse décoller. Voilà pourquoi j'invite tout ce monde à aller chercher le travail scientifique de Jean-Lucien Moussa. Lisez cela. Ce n'est pas que je suis en train de cocoter la Jean-Lucien. Non, j'ai eu à lire et j'ai compris le problème du Congo, c'est le leadership en groupe. Qu'est-ce que vous faites lorsqu'on vous nomme DG dans une entreprise? Quel est le leadership que vous amenez dans cette entreprise? Aujourd'hui, on parle de détournement. Aujourd'hui, on parle de gens qui font du n'importe quoi. Il y a aujourd'hui un nouveau ministre du portefeuille. Regardez la manière dont les entreprises, il y a portefeuille, ils ont là qui gèrent. On est en train de mener ce que nous appelons aujourd'hui la politique d'abord pour prendre connaissance. Il y a autre chose à dire combien dans la politique, dans les entreprises étatiques. Et lorsque vous regardez le management, le leadership, et on ne sait même pas si le président de la République a yebi makambo ezali ko salima na entreprise ya l'État. On ne sait même pas si le président de la République a yebi makambo ezali ko salima na ba ministère. Le problème du Congo, c'est la stabilité des institutions. Le deuxième problème plutôt, Ezali Likambuya leadership na kati ya ba secteur nyonso. Les gens doivent savoir que le président de la République n'est pas un magicien. Oyo avec un bâton magique, il peut tout changer d'un coup. Non, la République doit changer au fur et à mesure qu'il y aura du travail, au fur et à mesure qu'il y aura le leadership éclairé dans chaque secteur. À chaque fois qu'il n'y aura pas ce leadership éclairé dans chaque secteur, voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui, les gens se rassemblent parce qu'il y a un leadership éclairé au niveau de l'inspection générale de finances. Tous ces gens, centre financier, marché, il y a palais de la justice, l'EPST, l'ancien ministre, il y a EPST. Tous ces mondes-là se sont réunis pour monter un cabane. Milk Tibang, Moutoua Lokuta Oyo, Oya Yaki Kosenga, pardon à Babylon, Moutoua Lokuta, Oya Yaki Kobimisaka la Mingite. Le loi Yeli Soussou, instrumentalisé par Milvest, instrumentalisé par cette maison, on lui dit qu'elle n'a jamais réalisé, mais ça, la Batika la copie, ça va. L'enquête de l'IGF révèle aujourd'hui que palais de la justice, depuis Bapé Samilvest, depuis centre financier Tongama, des millions de dollars ont été décaissés. Mais centre financier, Tikala Kosilate. Et Tikala Kosilate, regardez aujourd'hui, les Kambouaba cartes,
likambabayi tem. Tous ces Libanais-là se sont rassemblés. Balobi, créant de fausses preuves pour attiser Gilles Alinguette, pour nuire à la personne de Gilles Alinguette. C'est ça même la guerre, victime de son propre travail, d'un travail abattu d'une grande qualité. Il y a un basali qui cela, monsieur Gilles Alinguette. Pourquoi? Parce qu'il s'est attaqué à un système qui a été bien organisé pour piller, voler la République démocratique du Congo. En association avec monsieur Oyolelo Azali Kobela. Le septembre de Lampadaire na forage, yango pécier malade, ba député, yango na lobby, ne votez plus ces députés qui sont là. Député ta mon côté à l'éca. Parce que bangonde. Interdiction à sortir, il y a Nicolas Kazadi. Ce sont les députés qui ont exercé la pression parce que Nicolas Kazadi Azali peut mokon abango comme député. Donc, ça montre à la commande aujourd'hui que bah, les députés, ce sont des voleurs. Ils protègent des voleurs. La personne, il y a nyokoli population. Mouto, il y a nyokoli. Bato, il va voter bino. Ba pensi bino pouvoir. Pio pino bo zalawana. Mouto, wana bino bo intervenir. Po abimamboka. Ako akende ko se faire soigner. Naba symptôme ya lampadaire. Akende ko se faire soigner. Naba symptôme ya forage. Un forage qui a coûté $300,000. Lui est parti. Et la République n'a pas de forage. Ma balingette, c'est d'avoir fouiné, c'est d'avoir mis son nez dans tous ces dossiers sales. Mais nous lui apporterons toujours notre soutien parce que la population comprend aujourd'hui. Le problème, ce n'est pas Gilles Alinguette, mais le problème, c'est la justice congolaise. On a crié qu'avec l'arrivée de Moutanda, les choses pouvaient arriver. Mais Moutanda n'est que dans l'administration de la justice. Mais Batobali Kosambi, son réellement, ce sont des procureurs. Lui-même a fait un communiqué sur le problème de lampadaire et forage. Regardez comment tous ces membres se réunissent pour combattre Gilles Alinguette. Il est victime d'un grand travail au Yazalina Katia Kouabatre. Il est victime parce qu'il veut servir la nation. Il veut être loyal au chef de l'État. Il veut réaliser la mission que le président de la République lui a donnée. Voilà le mal de Gilles Alinguette. Babimissi Lelo, un voleur patenté, quelqu'un qui a toujours été instrumentalisé avec des mensonges cousus de toutes pièces, avec des preuves, des signatures qui ont été falsifiées. D'ailleurs, moi, j'aurais aimé que l'avocat de la République, que le procureur général puisse s'en saisir de ces dossiers pour que Batouba yeba la réalité, usage faux et usage de faux, naba document wana oyobasani. Les Indiens, les Pakistanais, les Libanais, bangonde bazali ko financer Milk Tshibangu. O yaouti ko sa la pointe de presse avec des fausses preuves. Et biso toyebi ke Milvest baza simawana. Toyebi ke l'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi, aza simawana. Nous connaissons que l'ancien ministre de l'EPST, Azali simawana. O baza batoyo, Gilles Alinguette, a l'andela ki ba mafia na bango. Saviez-vous qu'un Libanais, Yende moutoua produisa kaba item na biso. Yaba diplôme d'état au Bumona Kawana. C'est financé par ces gens-là. Et comme Alinguette Alingi, ce qui 40 millions par année plutôt. 40 millions. Alinguette Alobi, non. Ce contrat est bouté. Il faut le revoir. Il devient l'homme à battre. Il devient l'homme à battre. Le chef de l'État doit savoir qu'il n'a qu'une personne qui est en train de le soutenir. C'est monsieur Gilles Alinguette. Le nom même au niveau de la sécurité. Je vous ai dit, il faut qu'il y ait le leadership éclairé dans chaque secteur. Vous avez vu ensemble avec moi, mesdames et messieurs, le chef de l'État prendre l'ordonnance pour nommer les nouveaux animateurs, les nouveaux dirigeants na Otto Zali Kobenga, Agence nationale de renseignement. L'Agence nationale de renseignement, surtout l'administrateur général adjoint en charge à Otto Zali Kobenga, renseignement et contre-renseignement, l'espionnage et contre-espionnage, c'est quelqu'un qui doit être l'homme digne de confiance du président de la République. L'homme digne de confiance, il y a régime. Voilà pourquoi Tata Mokonzi Ayikolo, il a fait Moulumba Sabui. On est aujourd'hui au point où les gens qui ne visent que leurs propres intérêts
La vie du chef de l'État. Parce que vous devez savoir que la vie du président de la République, yangonde ba likoluka e pa ya ba occidentaux. La vie du président de la République, yangonde ba kabiniste bazali koluka. Parce que le plan ya Kabila, c'était de renverser le pouvoir de Tshisekedi une année ou deux ans après la remise des reprises, na 2019 ou 2020, passe à la coup d'État. Et comme coup d'État est simité, on veut assassiner le chef de l'État. Et tous les gens qui entourent le chef de l'État travaillent pour leurs propres intérêts. Et pour l'intérêt propre des individus, notamment celui que nous appelons le secrétaire général de l'UDPS, je dois le citer parce que c'est lui-même qui a affirmé dans une matinée politique que Namini Kotozali Kosolola, il ne pouvait pas laisser la sécurité. Il a énuméré certaines raisons. La raison est à énumérer. Lorsque vous avez la raison, ce sont que de faits créés pour nuire à quelqu'un qui avait découvert un certain Obati, qui avait un contrat léoné, un contrat mafieux signé avec le Jefrem, dont Saïba connaît Makambo Nazoloba, monsieur a mis sur PCA, a bénéficié de cet argent. Ayebi Makambo Nazoloba, d'ailleurs, a mis sur Akimaki, il fallait qu'il va kangaye. Il y a eu des interventions pour être théâtre à la place à Zaliwana. Il bénéficiait de ce contrat signé avec l'Ougandais, monsieur Obati. Les preuves sont là, les documents sont là. Mais comme M. Augustin Mulumba l'a qui dossier wana. Et vous savez que Obati a sala qui que a randa qui au Jefrem avec. Au Jefrem moyen et à la marchandise des autres côtés après Zobima et Zalakite. Tout était contrôlé par ces Ougandais. Cet Ougandais de Obati. La mère est intervenue. M. Augustin Mulumba Sabwe, Oyolo Bazali Kofinga et pas la secrétaire générale. Au Balobike, Azali Kabiliste, il a étudié Nafo Yantambouam, Lokuta sur Lokuta. Écoutez, c'est lui qui s'est rendu là-bas pour voir comment Ojefem allait contrôler les entrées et les sorties. Parce que Bangouna Bakouki Kokotisa, Babilo Koyamabe, pour venir faire du mal en République démocratique du Congo. Il est intervenu, il a arrêté M. Obati. Obati, Azongi Saki, Ojefem Nabadoua Naye. Et lorsque Bazongi si Ojefrem n'a pas droit naïe, les avocats et M. Obati devaient payer l'argent à l'État congolais. Et Mbongo Bafuta, c'est environ 75 000 dollars. Ba document Ezali, l'argent a été pris par l'ancien administrateur général, M. Loussadis. Baye Sikolo na pression. Il y a ancien ministre à intérieur. Namokonzi a parti l'UDPS. Ba sali pression. Pression va s'arrêter à Ouépa Yanani et pas il y a ancien administrateur, il y a ANR, M. Loussadis, pour qu'il puisse suspendre M. Augustin Mulumba. Le péché d'Augustin Mulumba, c'est d'avoir traqué M. Obati. Voilà pourquoi il devait être suspendu. On l'a même révoqué. Basali même avis de recherche, écoutez comment Batubazo visait Kaka intérêt Nabango. L'avis du chef de l'État, Basali Komona Yangote. Mais là, comme Kobimisana, chef de l'État, comme Moutoyo, Ayebi Makambali Kosalate. Il signe les ordonnances, Yabato Basali Kometrizete. Lorsque vous sortez dans la matinée politique, oh non, Moutoyo Basali d'une déconfiance, je ne peux pas permettre. C'est comme si c'est toi qui commences à nommer. Or, vous êtes en train de mettre à mal l'ordonnance à chef de l'État. Les Aliboui. Toutes les dispositions antérieures à la présente ordonnance, les Alaka abrogées, annihilées, même si bas suspendu qui est, même si bas radia qui est na aner, mais une fois que le chef de l'État les restaure, donc Makambuna bino wana yakala et si ekoi, c'est ce qui s'est passé avec le général Edi Kapene qui a été radié de l'armée, qui a été donc, Bagla du tout, Babotolier. Mais lorsque le chef de l'État prend l'ordonnance, Ali Kozong et la Namatambounaye, Kaka Nzoki, et Kosalema plutôt, Kaka comme si il n'y avait rien eu dans Bamakambouana. C'est ainsi avec Augustin Ilungasa. Avec Augustin Mulumbasa. Et tout ceci, et ça que Augustin a eu du Makambounaye. Ce qui a eu wana, bah, intérêt personnel dans Bango, les alités. Regardez comment on a piégé le chef de l'État. Vous avez dit que dans le salon d'honneur, il y a Tata Mokonzi à l'école. Dans l'aéroport, on a retrouvé des armes là-dedans.
Or que na kati manduki kota kati. Banane ba kote sa ki manduki. Et pour quel but? Point d'interrogation. Saviez-vous que le transfert y a RVA na aéroport Yandig? Combien de fois on a volé ça? Mais qui sont en train de voler alors que la garde républicaine est allée wana? Trois jours où il y a Pamba Augustin Mouluma Sabo la Saliwana, il a mis de stratégies en place. Comment les équipes de sécurité doivent collaborer en synergie pour que la sécurité du président de la République ait Zala bien assurée. Mais Bino Boye, Bozui, Moutouyo a travaillé dans Kalev, les gens qui ont tué des combattants, les gens qui ont malmené ces régimes lorsque nous étions à l'opposition, c'est ces gens-là aujourd'hui que vous remettez. Que vous donnez confiance. Pourquoi? Parce que vous savez les mafias que vous continuez à faire la mafia, ben toi, vous allez aller pour protéger Bino. Regardez le gouverneur Bopetsa qui est là. Le nom aussi Daniel Bumba, gouverneur à IDPS, directeur à cabinet, Moutou André Kimbout, ben ministre, Moutou André Kimbout, Tozongi sou Kimboutade, Nazoye Bissabatino, que le nom Toza sou Kimboutade. On ne peut rien attendre de Daniel Bumba et la ville de Kinshasa. Mais Daniel Bumba, c'est le candidat plébiscité. Oh, ben là, tu sais, là, ma député provincial, ma médaille, na niveau, il y a permanence à IDPS. Le lot, il y a gouvernement provincial, 80%, ce sont des kabilistes. 80%, ce sont des kabilistes. La même chose au niveau de Lubumbashi avec Kiaboula. Le lot Kiaboula va convoquer hier. Et pas il y a VPM. Zongisa gouvernement et respecter la constitution. 10 personnes dans le gouvernement provincial. Bango Basali au-delà. Vous amenez Kiaboula chez Maman Marc. C'est pour dire quoi? Que nos VPM ont un loco au salaté? Non. Monsieur le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, ne soyez pas intimidé. Moutouana Zali Kokende. Il est en train de partir. C'est la fin de ce dessin numéro de décryptage de l'actualité politique. On se retrouve avec vous demain sur la même chaîne avec le même plaisir. Ciao.